Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je suis avec MacRentor sur Crusader Kings 3. Salut tout le monde. On peut voir, c'est un Comment tout petit le monde? peu. Ouais, c'est un peu difficulté parce que là je me tape une petite révolte là. Enfin, c'est pas une révolte, c'est donc une invasion de clochards. Plus deux inquisiteurs d'en face qui tentent. Tente vraiment les emmerdeurs, hein. Faut vraiment que je les soulève là. Suis mort. Ah. Attends, je m'en pose vite fait. Parce que qui j'ai? J'ai lui. Il est quoi lui? Il est grand royaume de Scandinave. Devenu chef de la dynastie. Poste vacant au conseil. J'ai quel âge? Ah, j'ai 18 ans. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. 18 ans, ma femme est. Ah oui, moi je suis un intelligent et ma femme, elle est pas intelligente, mais elle est quoi? Hémophile. Merde. Ah. Pion de vassal. Pénalité de grave de santé, ouais, enfin, peut-être que je l'élimine. Ouais, j'ai pas de gosse avec, je vais l'éliminer, je pense. Parce que c'est la meuf, elle est ouais, bâtisseur de fortune, soit, mais elle est contente, honnête, timide. Mais je crois qu'elle m'apporte une alliance. Ouais, non, je vais la dégager, elle. Je vais divorcer parce que c'est. Ouais, on s'en branle. Je m'en débarrasse parce que. Non, non, c'est. Ça va être une source d'emmerde. Oh, fécond. Espérance de vie plus 5. Joli. Diplomatie plus 2. Puis un... Ouais, on va prendre quelqu'un de joli. Une polonaise, c'est vrai que les polonaises. Ah ouais, c'est Une qu'on dira ce qu'on voudra mais... polonaise. Et à 29 ans en plus. Brave. Sadique. Vindicatif. Ouais. Elle est entêtée. Zélée. Et impatient. Mais c'est vrai que. Et ça, c'est quoi comme trait piébeau? Alors, on va peut-être éviter. Deux auteurs, on va éviter. Magnifique. Diplomatie plus 3, fécondité plus 30, puis on parle plus 30. Nordique, on prend. Elle a 14 ans, j'en ai 18. Hop. Ensuite, un poste vacant au conseil. Ouais, ok, j'ai tout le conseil à faire. Le maréchal. Maréchal 15. Ah, j'ai un diplomate à 23. On va regarder. Ouais, faut que je fasse le conseil là. Hop. Maréchal. 26. Putain, mais c'est pas un... On va prendre un 15. L'intendant. 9. 16. C'est pas mal. Maître espion. 18. Putain, j'ai aucun vassal puissant. Bon, on va prendre quelqu'un qui me kiffe. 5 plus 30, 18, elle a moins 33. Mon père. Mon père, en tant que maître espion, s'il me tue, ça me ferait mal au cul. Mais j'adore ça. J'adore ça, c'est qu'en fait, on reprend l'endroit où on en était de nos avancées, quoi. C'est ça. C'est vraiment top, ça. Hop, fais-moi ça, fais-moi ça. Mode de vie choisi, je suis en quoi? Putain, je suis en intrigue, mais je peux pas faire de l'intrigue. Si, quoi que l'intrigue, t'as la torture, je crois, qui est monstrueux. Oui. Et surtout, la Infidélité. capacité de faire des doubles assassinats, des enlèvements. En étant lequel t'as le tortionnaire. Moi, ce que j'attends, c'est le comploteur. L'auteur, la vie. Tu peux tuer plus vite, tu peux enlever des gens, tu peux fabriquer des hameçons. Je sais pas, parce que lui, j'ai envie d'en faire le un peu le mec qui va me. Tu t'avisais le bordel? Ouais, bah, en fait il est 12-12, 8, 18, 11. Tu dis déjà il est correct. Mais je me dis ça que la diplomatie, ça peut être pas mal. Parce que ça augmente le bonus. Ouais, je vais me faire ça. Prestige, on s'en bat les couilles. Fécondité, on s'en bat les couilles. On va faire de la diplomatie. Ou le prestige, ça peut être. Non, non, diplomatie plus 3. Et on va se pencher sur le. Ouais. On va se pencher là-dessus. Nommer un successeur. Ouais, il va falloir qu'on nomme un successeur. On va s'occuper de ça vite fait. Ah, j'ai perdu des titres. J'ai perdu le royaume de Suède et le royaume de Finlande. Ah. Oui, enfin, je les ai perdus, mais voilà quoi. C'est le royaume de Suède, c'est mon vassal, je pense. Et t'as compris, t'as gagné Voilà. Stockholm comme capitale. D'accord.
Ouais, Royaume de Suède. Royaume de Suède, c'est Mais qui? c'est normal parce que la capitale de Jure, c'est. Ouais, C'est normal que la capitale de Jure, c'est. Schaerbeek. J'ai gardé le Urpland. Vastanland, normalement, je les garde. Non, je sais pas ce que j'ai gardé. Bah, il pleura des. Bon, après, j'ai gardé mes titres. Hein, Oh putain, mon frère. On va voter pour lui. Vent en diplomatie. Allez. Oui, de toute façon, après, comme j'ai créé mon empire, il n'y a pas de perte de titre, C'est donc c'est le ça, plus important. l'Empire restera uni. Élection en cours. Bon, il faut vraiment que je termine cette guerre contre la Russe blanche. L'autre qui voulait m'assujettir, le Courlandais, ben, prochain mois je fais une paix blanche, on a zéro. Après Sachant ça, que. je peux assassiner mon frère et je récupère son titre. Comme tu veux! Mais pff, je me dis. Ouais, je vais peut-être l'assassiner. Il a quel âge? Il a 25 ans. Il est quoi? C'est un enfant de concubin. Il est quoi? Il a des caractéristiques de merde. On va l'assassiner. Ouais, 95. Ok. Je serai pas découverte. Enfin, je serai pas découvert. Mon maître espion, il est où? Le conseil. Il soutient les complots. Ouais, voilà, on va l'éliminer. Mon cousin, je récupère tous ses titres. Peu de champions, des titres peuvent être créés, peu empire inoccupé. Je peux transférer machin truc. On va le transférer. Première ligne de succession de Koudjaksky. Chefferie de Koudjaksky. Ouais, pas éliminer, c'est mon cousin. C'est une chefferie. Ok. Donc là, je finis ma guerre vite fait avec la Finlande. On les défonce. Bon, allez hop, est-ce qu'on peut terminer ça très vite? Allez, peu blanche, tire-toi vite, fous-moi la paix. J'arrive pas à comprendre en fait mon héritier quoi. Qu'est-ce qu'il a encore fait lui? Ben, c'est qu'en fait l'autre je l'ai pas désigné mais c'est mon héritier quoi. Bataille, ok, 191 d'empiété. Bon, il arrive quand l'autre? 2 mois, putain. Faire suer longtemps lui. Voilà, ça, on prend l'urgence et on... Je déteste ces Ok. envahisseurs qui viennent m'embêter là. Arrêtez de venir gêner mes petits plans. Ah tiens, les Sony sont envahis par. Reykjavik. Ah, je les ai récupérés, ouais, bon. Enfin, Reykjavik, que tu vois ce que c'est, le machin. Ouais, c'est un peu de la daube, mais bon, c'est C'est pas grave. carrément de la daube, ouais. Sisma. Il veut pas être mon vassal, déclarer la guerre. J'y tire. Reviens, reviens. Ok. Voilà, le but c'est vraiment de stabiliser. Ah bah voilà, j'ai chopé le royaume d'Estonie, un de mes vassaux. Voilà, ouais, j'ai vu ça. Ouais, concubine en cours. Des titres peuvent être créés. Royaume de Danemark, royaume de Sapmi, duché de Jutland, voilà, duché d'Estonie. Un poste vacant au conseil. Intendant. 15, ah ben ça tombe bien, il est correct, on va le mettre dessus. Les affaires étrangères, j'en ai un tout petit peu rien à foutre, par contre, augmenter la relation avec les vassaux. Appel à la guerre, nanana, allié ennemi, le royaume de Bohême. Chefferie de Santok en tant qu'attaquant contre. Le royaume de Bohême. Royaume de Bohême, il est où lui? Idée. Royaume de Bohême, 3900. Allez, on va aller lui taper dessus. J'ai pas de conjoint. Comment ça se fait, j'ai pas de conjoint? Ah oui, parce qu'il est trop jeune. Royaume de Bohême, moi je pense que je vais aller envoyer mon armée dessus. Allez. Tac, on va les recruter ici. Là. On va tout lever ici.
Hop, on arrête. Et merde! L'autre a découvert l'existence du complot visant à éliminer mon frère. Enfin, c'est pas bon ça. Non, en effet, non. Discrétion 4. Ouais, mais probabilité de réussite 95, discrétion 95. Alors je me tape quand même un moins 75 de le complot est découvert. D'accord. Il y a tellement de monde qui l'aime pas, moins 75, mais. C'est chiant, j'ai fait 4 ou 5 batailles contre l'armée ennemie, j'ai jamais réussi à choper leur dirigeant là. Ah, c'est chiant. Putain, après, planqué. Il était sûr qu'il dirige l'armée ? Ah oui, t'es clairement. Clairement, le commandant, c'est lui, hein. C'est elle. Ouais, j'étais submergé par le stress. Mais. Un passage au lupanard. Ah. En... Putain, elle est très reclus. Non, on va aller baiser un peu. Poste vacant au conseil. Mon chancelier. Bon ben voilà, et normalement j'ai récupéré mes titres. J'ai récupéré mes titres au moins ou pas? Succession. Bah non. Donc, roi en royaume de Scandinavie. Qui est le roi de Suède au final alors? Bon, bah c'est pas grave, je sais plus. C'est un peu le bordel, hein, honnêtement. Alors, moi, sinon, ce serait de détruire les yes royaumes. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je vais poser. Regarde ça. Oh beau. Voilà, qu'est-ce qu'on pense? T'as fait quoi? T'as fait je t'enlève, je te déclare la guerre quand t'es dans ma prison? Non, j'ai clairement fait assujettissement parce que le complot ben, il marchait pas, il y avait une espèce de bug. Je me suis dit hop c'est bon, fuck it, on y va. Et voilà, le Royaume Novgorod, ça ressemble à quelque chose. Ah c'est bon, t'as plus qu'un empire à faire. Ah bah disons que pour l'empire. De Russie, ouais bah il est... Il me faut 71 comtés, j'en ai 37 seulement. Ouf. Elle est gros. Attends, et là, ce que je peux faire, pour faire ça, il faut que j'ai affiché 2-3 petites choses là. Putain, je risque de perdre ces putains de titres. De russe blanche parce que bon et je vais relancer vas-y. Ah d'accord, ok, le royaume de Suède il est basé en Angleterre. D'accord. Donc j'ai récupéré là-bas. Est-ce que ça fait partie de mon. Il va falloir que j'aille défoncer un peu après. Ce sera le. Bon, la Bavière, on va lui mettre cher. C'est quoi ça? Épier. Par contre, je comprends pas comment c'est que j'ai pas récupéré mes terres. Royaume d'Estonie, mon vassal, et il est pas de ma dynastie lui, donc lui il va falloir qu'on s'en occupe vite fait. Royaume d'Estonie, principal héritier, Viras machin. On s'occupera plus tard de ça. Yardom, c'est quoi ça? Yardom de Finlande. L'Yaldum de Finlande, il est où le royaume de Finlande? Qui le possède?
roi de Suède. De toute façon, si c'est de ma dynastie, j'ai... pas de ma dynastie, ça. Ah bah si, maison Munso. Pourquoi il a pas le logo Ah bah c'est mon nom de ma dynastie, ok. Faut juste que j'élimine ce qui fait pas partie de ma dynastie. Genre ça, c'est pas partie de ma dynastie. Donc on va devoir l'assassiner. Ok, 45. Non, on va plutôt... Non, fabriquer un hameçon, non. Non, je vais pas commencer à foutre le bordel. Voilà. Je me marie. Ouais, je vais finir tranquillement de récupérer mes territoires. C'est quoi, je comprends pas. J'ai un bout de territoire, pourquoi il est d'une autre couleur celui-là? La chefferie de machin est en guerre. Donc la tyrannie du Yarlvigu. Mais cette guerre-là est dure depuis... Depuis, c'est une guerre, je crois que j'ai encore un royaume. Et c'est un comté qui se bat contre un duc. Mais là, moins 84. Où est-ce qu'on peut voir déjà... Pas les... Si, maison. Afmunso. Afmunso, ça va, on est un peu gros. Les 40 lingins, ils sont un peu gros. Enceinte. Eh ben, dis donc, je perds pas de temps. Moi. L'autre, je l'ai prise, je l'ai chopée, je l'ai bim. Allez, hop. Suivante. Tiens, pendant ça, le stress, on va les chasser. Ah merde, j'ai pas de thunes. Comment ça se fait que j'ai un si peu? Ah oui, j'ai mes armées levées, mais... Domaine 1-9, oh là là. Chef Toqué, défi en prouesse contre Chef Toqué. Il a combien cet enculé? Chef Toqué en prouesse. Un traître révélé, hop. Le Chef Toqué, il a voulu me tuer. Voilà. La chef machin, elle a défoncé la bohème. Qu'est-ce qu'elle m'a pris comme territoire? J'échappe au chef Toqué. Le chef Toqué était quoi, toi, comme type? Putain, j'hésite à le... C'est ma dynastie, ça, qui m'emmerde. Pourquoi il a voulu me tuer, ce con? Aucune idée. Non, on va le laisser, c'est pas grave. J'ai défoncé au corps à corps. Problème des Francis, hein, t'as le poil et lui mettre sur la gueule. Se défend contre. J'hésite à déclarer la guerre à la Francie, machin truc. Déclarer la guerre envers le royaume. Un peu riche, conquérir. Pourquoi je peux pas faire un conquérir envoyer le royaume? Ah, possible, ouais. Bon, ça remonte. Upland, c'est à qui? Upland, c'est à moi. Alors, je vois absolument ça. Après, est-ce que je devrais pas me... Je te dirais, j'ai fait ce que j'ai à faire. Est-ce que je devrais pas me sédentariser, là? Comment tu fais pour sédentariser? Je sais pas. Ouais, voilà. Mais ce serait peut-être pas une bonne idée, le problème. C'est le gouvernement féodal. Alors, autorité tribale... Ah, faut que j'ai une foi organisée. Ouais, bon, voilà. À tout en diplomatie disponible. Ok. Prestige, intention de bienveillance. On va faire ça. Partir en pèlerinage. J'ai pas de thunes. Aller dans un lupanar. Ah ouais, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Comment il a quoi comme revendication? Grand chefferie de Kiev, chefferie de Kiev, Tchernobyl. Ouais, mais c'est en plein chez toi, ça. Je vais pas aller. Bon, dégage. C'est le bordel, c'est le mimi, c'est le rara, c'est la merde, on va éviter. Mage des fiancés, ouais. Je peux vassaliser le roi Ivan. Ouais.
C'est toi qui m'as envoyé la demande? Ouais. Ah bah tiens, bienvenue. J'ai une fille. Tu savais le nombre de gosses? Ah non, j'ai pas de gosses pour l'instant. Par contre, j'ai 45 frères. J'ai un demi-frère qui est mort. Il est mort comment, lui? A tué dans une bataille. Âge de 20 ans. Par le chef beau machin truc qui est mort aussi. Jarl Vigu de Halogaland. Il existe encore lui? Ah ouais. Les gens l'aiment pas. Là-bas, c'est bon. C'est bon. Promouvoir la culture. Je convertis la culture partout. Par contre, j'essaie de comprendre mes propriétés. J'ai quoi comme propriété? Chefferie de Upland, Alborg. Oh putain. Ostrand. Pourquoi j'ai pas le duché de. Ah, j'ai un truc dans Jarldom de Jutland, duché de Jutland, duché d'Islande. J'ai les deux territoires en Islande. Ouais, super. Que limite, c'est mes territoires les plus développés. Développement 4, 4. Eh ben. Par contre, c'est Upland, il faudrait que sur le Jarldom de Upland, je récupère les trois territoires, quoi, en fait. Bon, j'essaierai de prendre Kiev et la Galicie plus tard. De prendre ce morceau-là. Qu'est-ce que je tape ça? J'ai quoi comme titre, moi? J'ai. Ouais, c'est un peu le bordel pour. En guerre contre qui, moi? Ah, contre l'autre là-bas de machin truc. Donc là. Là, on va mettre ça ici. On va aller défoncer l'autre tocard. Voilà, 1. 6000 hommes pour défoncer l'Écossais. Ça devrait le faire. Ouais, c'est bizarre. J'ai pas compris pourquoi j'ai perdu mes territoires. J'ai pas trop compris. Tu vois, j'ai mis un héritier. Je veux dire, j'avais ABCD comme personne que je pouvais lire. J'ai dit, bah tiens, je nomme A. Et je me suis retrouvé avec A qui a récupéré les territoires et une partie qui a été récupérée par B. Et je joue B, sachant que B, je lui ai pas dit, mais je lui ai pas dit que je voulais quitter des territoires, quoi. D'accord. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, quoi. Donc, ça fait que. Bataille de Dundee, ok. Tu vas encore demander que je te vassaille, mais j'ai que ça à foutre. Non, merci, c'est gentil, mais non. Pourquoi tu m'envoies la demande, Tocard? J'ai rien demandé, j'ai vu le message là-haut. Bah non, il me dit le roi. J'ai rien envoyé, moi. Un dirigeant voisin, le roi Ivan Rurikovich Novgorod, souhaite protection et accepte. Ah! Ah oui, c'est parce que c'était un dirigeant faible et indépendant. C'est tellement un Tocard que, en fait, il dit je viens t'aider. Pas moi, hein, c'est le jeu qui l'a dit. Oui, c'est. Bon. Tu vois le jeu, il est visionnaire. Et non ? Ah, et si, il voit que t'es un tocard.
Bon. Ah d'accord, on a encore grossi en Scandinavie. Oh là là, les enculés. Allez, j'ai pris le fils du roi là-bas, tranquille, à la cool. Ah, voilà, parfait. Hop. 95 en piété, 190 en prestige. La guerre a commencé il y a 15 mois. En gros, je suis obligé de soit détruire le titre, soit je suis obligé de... Oh, super. Il a quoi comme titre? Morgan d'Angus. Dunbar. Allez, on va prendre Dunbar. Hop, on gagne les batailles, 34 en score de guerre. Putain, j'ai pas de machine de siège. J'ai un bout de sac à toi normalement. De quoi? 6K. Ah non. Oh non, t'inquiète. Des Lituaniques fait partie de l'Empire Subaltique. Ouais, non, c'est bon. Ah, j'arrive pas trop à comprendre comment j'ai perdu mes territoires en fait tout à l'heure. Moi non plus. Ce qui me saoule, c'est cette mode d'élection là. C'est vrai que c'est dur à comprendre quoi. Tu dis ouais, je donne tous les titres à machin, mais. Parce que tu te dis limite, tu sais, tant qu'à faire, des fois tu peux perdre ta succession, mais hop, tu vas dire, bah tiens, je refais la machin. Trois titres perdus à succession, je reperdrais quoi? Je perdrais grand nombre de Scandinavie. Okay. Chef Toke Bjornsson. Ah, c'est pour ça qu'il a voulu me tuer. Ah. Corps de vote, j'ai compris, je pense. Corps de d'accord, score total de candidats. Corps de vote, ah ouais, ok, je crois que j'ai compris peut-être. Ok. Grand royaume de Scandinavie. Chef Toke. J'ai combien de votes là-dedans? J'ai 9 votes. 4. Et ici le chef Toke a 12. Oh. Lui a forgé une mine. Ah, je crois que j'ai compris. Assassiné, on va l'assassiner. Euh...
Il y a tout le monde à fin d'épisode, donc... Voilà. Plus problème de partition des titres. Parfait. T'as fait comment? J'ai détruit. Ah ouais. Pas mal aussi, j'aime bien le concept. Inviter un agent invité... Allez, et toi, le grand chef Boris de Kiev, allez hop. Doyer, 36, voilà, et là... Ouais, 95. Ok, ting ding, donc voilà, on va s'arrêter là, les gens. Voilà. Ah oui, c'est vrai que je suis en guerre là-haut aussi, j'oublie ce détail. Pareil, moi je suis en guerre contre le grand chef de Kiev pour vassaliser Kiev. Ah, bien. Et après, ouais, bah, je m'attaque, une fois que Kiev fait, je m'attaque à la Galicie-Volhynie. Oh, c'est beau, c'est toute beauté. Comme ça, j'aurais de quoi ben, bien faire grossir la Russie. Sauf que Kiev n'est que chef, il n'est pas encore roi, donc du coup, ben, il ne pressera pas les pieds à vouloir créer un royaume. De trop. Avant, je sais pas ce qu'ils ont, mais les différents souverains sont tous compatissants, gentils, niais. Moi, j'ai des tueurs, des assassins. Sérieusement. Oh putain, moi, j'ai défoncé l'Écossais, là. Là, la bataille... Je finis vite fait la bataille, je préfère même pas... Je vais te dire combien elle va me rapporter de points. Déjà, j'ai fini la bataille, votre niveau de... votre gloire est connue. Elle m'a rapporté 279 de dévotion, 553 de gloire. Ah oui. Ah, voilà, bon, allez. On va mettre la pause. Attends, ouais, j'accroche un titre et c'est bon. Il garde très arrogant, compatissant, sans cœur. On va faire compatissant, submergé par le stress. On se problème, on rançonnera plus tard. En plus d'années, lâcher fesse à ça. Elle viendra. Hop. Et voilà, tiens, si je vais relancer vite fait mes petites conversions religieuses. Ah oui, tiens, t'as raison, je vais faire ça aussi. Merci de me rappeler ça. Ah ouais, putain, c'est que la Finlande, c'est un sacré bordel, hein, putain. Oh, entre la conversion, le contrôle, le bordel, putain. Non, c'est vrai que pour l'instant, les complots, les trucs comme ça, c'est bien gavage, quoi. Mmh. Là-bas, l'autre, je suis en train de le défoncer. Par contre, le bazar culturel et religieux que c'est. Oh. Ah, ça. Mais bon, allez, je sauvegarde la partie. Bon, bah, de toute façon, on se regarde en off. Hein. Donc voilà, les gens, on s'arrête là pour cet épisode. On vous dit bye bye et on se retrouve demain pour la suite de la série. En espérant que ça vous plaît toujours. Allez, ciao tout le monde! Au revoir tout le monde!